Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo, d'habitude je n'en fais jamais, juste pour faire part d'un petit souci que j'ai eu et que sûrement beaucoup d'entre nous, possesseurs de Mac et MacBook Pro, possédant le clavier papillon, vont sûrement eu, ou pratiquement tous eu, ce genre de problème. Donc, le problème de ces claviers-là, c'est qu'ils sont très très intéressants, très très fins, un système assez épuré, très très joli, c'est vraiment très mignon. Mais le souci, c'est que ils sont très 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 sensibles à la moindre poussière. Et justement, le souci, c'est que j'ai toujours vu plein de vidéos, plein de documentations sur comment enlever une touche. Donc je vais pas revenir sur comment enlever une touche, il y a suffisamment de vidéos, je dirais même qu'il y en a même trop, malheureusement. Trop de vidéos sur comment enlever une touche, n'importe laquelle. Voilà, donc c'est hyper simple, voilà. Blabla bidule, c'est mignon. Je vais essayer de rallumer la lumière, voilà. Alors, voilà, c'est mignon. Donc c'est du plastique, évidemment. Petit crochet en plastique ici, donc le crochet. Crochet avant 90 degrés, crochet de face qui se maintiennent ainsi que dans les coins. Donc ça c'est très simple à enlever, très simple à mettre. Je vais pas revenir là-dessus. Voilà, très bien. Bon, le souci c'est que il n'y a aucune, mais alors aucune documentation sur comment enlever cette barre d'espace. Le problème c'est que cette barre d'espace là, Apple nous a sorti un magnifique document, une magnifique documentation en fait, hein, c'est ça. Comment enlever les poussières. Donc oui, c'est très mignon, d'accord, pourquoi pas, c'est très mignon. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est surtout comment on les enlève véritablement quand c'est bloqué. Donc le problème ici, c'est que quand on va regarder sur internet, après on nous dit bien la belle discussion, bon voilà. Faut bien placer l'ordinateur à 75 degrés, blablabla, utiliser un truc à air comprimé, blablabla. C'est très bien, ça marche pour les petites touches, ça. J'ai déjà essayé, ça marche très bien. J'ai été en Apple Store une fois, la personne me l'avait faite, il m'a dit j'ai réussi à tout enlever, sauf la barre d'espace. La barre d'espace, c'est un véritable problème, c'est un calvaire, parce que les autres touches sont à peu près assez petites, on va dire, mais celle-là... Vous avez vu la taille de celle-là quand même, c'est la taille de 5 touches quand même. Hein. Donc le problème c'est que les poussières qui sont peut-être dans les coins, ils vont peut-être se barrer ici, ils vont se barrer. Par contre les poussières qui sont là, elles vont sans tendance à s'incruster pile en dessous du bouton. Et c'est justement pour ça que des fois, là, il reste en bord, il reste éteint, en position basse, il ne se relève plus jamais. Donc le problème c'est que j'ai toujours vu pas mal de documentation, jamais sur comment enlever cette putain de barre d'espace. Excusez-moi du terme, mais ça m'énerve un peu. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu de recherche, et j'ai essayé de regarder par moi-même. J'ai même eu de la chance que j'ai rien cassé, parce que c'est très très compliqué. Sur les touches, c'est du plastique, partout. Là, le problème c'est que c'est du plastique pour les petits crochets, mais... Ces petits crochets sont maintenus sur deux barres métalliques, qui sont comme ça, parallèles, clac, clac. Et elles sont tenues par une barre en métal. Et cette barre en métal, le problème, c'est que elle a tendance à accrocher ces petits crochets de manière assez irréversible, on va dire. C'est-à-dire, quand on essaie de l'enlever, c'est tout qui part avec. Donc le problème, c'est qu'en dessous, c'est collé. Tout le plastique, on peut bien le voir ici. Je vais l'enlever rapidement pour vous. Voilà. Ici, le système est maintenu par des petits points ici, petits crochets. Clac, clac. Et justement, ces petits crochets sont maintenus par ça, ce petit truc en plastique transparent. Ça, c'est maintenu avec du double face, donc c'est totalement collé. Si jamais ça se décolle, ça peut endommager, ça peut même plier le top case. Et là, unique solution, changer tout le top case, ça coûte très très cher. Donc, le problème, c'est que ça arrache tout. Donc justement, j'avais trouvé une petite solution. Et voilà, petit problème de caméra, c'est mon smartphone, donc évidemment, on fait avec ce qu'on a à la maison. Donc, justement, petit souci ici, c'est que pour enlever ça, il nous faut bien évidemment passer par-dessous et éviter que ça s'accroche. Donc moi, j'ai trouvé la solution, je prends deux petits bâtons très fins, voilà, j'en ai un là et... Excusez-moi, mauvais sens, un là, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le petit coin, ici. Donc, il faut bien prendre le petit coin, faire attention de ne pas tout arracher. Donc, on tire légèrement, pas plus haut que ça.
Je vais essayer de vous faire voir en tirant un petit peu plus. Voilà. Donc ici, on voit très très bien le système en plastique. Il monte. Voilà. Il est collé ici. Donc là, le problème, si j'arrache, j'arrache tout. Si j'arrache tout, tout est mort. Et tout est mort, j'en ai pour 700 euros, évidemment, à changer tout. Donc, voilà. Il faut juste passer au milieu. Vous allez pile au milieu de ici. Voilà. Vous passez au milieu. Je vais enlever l'autre pour bien que vous voyez. Voilà. Ici, on voit très très bien. Vous montez dans le coin. Bien en haut, on ne descend pas. Si on descend, on arrache le crochet du boss. Un crochet à angle 90 degrés, ça casse. Ici, c'est le crochet simple. On monte légèrement, en évitant de décoller, parce que si ça décolle, c'est assez embêtant. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu décollé, mais c'est pas grave. Si ça décolle, c'est pas grave, faut pas que ça s'arrache. Donc c'est légèrement décollé. Voilà. On remonte et on recommence. Donc là, le premier endroit est parti. Il y a un premier clic qui est arrivé. Bon, on l'entend pas vraiment parce qu'on est très concentré des fois. Voilà. Donc ensuite, on avance. Au niveau du N, il y en a un deuxième. Donc, je vais le placer pour que vous voyez bien. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de faire pour que vous voyez au mieux. Voilà. Donc ici, sous le N, il y a un deuxième. Le deuxième crochet se trouve pile ici. Donc on y va doucement. Voilà. Et les deux derniers, c'est sous la lettre V et sous la lettre C. Donc on y va vraiment doucement. Parce qu'il ne faut pas que ça s'arrache. Voilà, le deuxième est parti. Le troisième, voilà. Et le quatrième. Donc voilà, ici, bah là maintenant, on est dans le cas d'une, on est dans le cas tout simplement d'un enlèvement de touche normal. C'est-à-dire on remonte légèrement. Donc on maintient bien les coins, comme ça, hop. On maintient, on tire. Et on enlève tout simplement. Et voilà, donc là maintenant, ici, on a bien nos deux touches bien séparées. Donc, il faut bien faire attention, là, comme je vous avais expliqué, j'ai un petit peu décollé. Donc, si ça se décolle, c'est pas grave, le système part, mais il faut juste appuyer. Et vous voyez, le double face se recolle. Au plus qu'il y ait de bulles, à peu près, ouais. Dès qu'il y aura plus d'air, c'est que c'est bien. Donc, vous faites ça. Faut bien recoller parce que sinon il va y avoir un décalage sur la touche et vous allez avoir du mal à appuyer sur certains endroits. Ça m'est déjà arrivé une fois, il faut juste recoller, c'est pas bien grave. C'est du Apple, c'est du plastique. Donc pour ça, voilà. Ici, ici. Donc vous voyez bien, il y a bien une barre en métal qui se balade, on la voit bien briller à travers la lumière. Et c'est justement cette barre en métal qui va se planquer ici sur ces petits crochets. Et c'est pour ça que quand on arrache souvent, on arrache tout ça. Et évidemment, une fois que c'est décollé et que le double face se colle partout, c'est dégueulasse. Donc voilà, on n'a plus qu'à bien recoller, voilà. Donc ensuite, ben là, dépoussiérage avec une bonbonne ou bien carrément avec le souffle. Bon voilà, je fais rapidement, de toute façon je l'avais déjà fait, c'était juste pour vous faire voir. Donc là maintenant, ben, le système est totalement nickel, hein. Y a aucun souci. Les coins sont nickel. Ouais. Voilà. Donc ensuite, ben, cas classique de reprise de touche. Oui, c'est pas du foot que je parle, évidemment. C'est bien de la touche en elle-même. Donc voilà. Il suffit juste de la remettre par le bas. Donc bien faire attention aux crochets, parce qu'évidemment, c'est des crochets à 90 degrés, comme toutes les autres touches. Et ensuite, ben, on a 4 points à remettre. Donc on a le premier. 1, 2, 3... et 4. Et voilà. Après, bah, la touche est replacée. Elle est comme neuve, en fait. Donc, dès que c'est dépoussiéré, le clavier est comme neuf. On vérifie bien avec les coins calés. Si les coins ont du mal à caler ici, ça veut dire que c'est mal collé. Donc, faut recommencer. Faire attention de pas trop décoller. Et bien rappuyer. Sans trop forcer le top case, sinon on va tendance à le plier. Et si on le plie, la touche va tendance à être plus rabaissée que les autres. Donc là, on vérifie bien. Voilà, c'est bien à la mesure, c'est parfait. Et voilà. Donc voilà, ma petite astuce que j'ai trouvée pour cette barre d'espace. Malheureusement, sur internet, il n'existe aucune vidéo, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé, et si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez peur, si vous avez un doute sur vous-même pour savoir comment faire, ou si j'ai pas été assez précis, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Bon bah sur ce, je vous souhaite à tous bon courage et j'espère en tout cas que ça vous a sauvé la mise et que ça vous a sauvé un ordinateur à plus de 2000 balles. Bon,
À très bientôt.